Bonsoir! Bienvenue à la comédie musicale, la grande comédie musicale de jeunes musiciens du monde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jeunes musiciens du monde, on est une école où on enseigne la musique traditionnelle québécoise. Et c'est gratuit! Ça ne coûte rien! Et cette année, on a 130 élèves. Et nous avons plusieurs élèves déjà en attente. Alors, une quarantaine d'élèves certainement en attente. La comédie musicale, c'est un grand projet. Ça fait 2 ans que je suis là, puis ça fait 2 ans que je rêve de mettre sur pied une comédie musicale avec Jeunes musiciens du monde. Et puis cette année, grâce à la collaboration très généreuse de la Commission scolaire de Montréal, on a pu mettre sur pied cette comédie musicale. On a eu aussi l'aide du pavillon d'éducation communautaire, le PEC, où on loge, où on a nos locaux, où on a pu faire des répétitions, où on a pu faire des décors, etc. Et aussi, on a eu l'aide de la fondation Liette Turner, dont le président est dans la salle ici. Et nous avons M. Albert Junot, et on a M. Daniel Durand-Haut, le commissaire à la commission scolaire, qui est là aussi. On vous souhaite la bienvenue. Merci à la Fondation Liette Turner qui a aussi appuyé cette démarche-là, qui nous a aidés. Ben, ça prend un petit peu de sous pour acheter des costumes, fabriquer les décors, etc. Alors, grâce à cette collaboration-là, on peut vous présenter une magnifique production ce soir. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter la directrice artistique, la coordonnatrice, une personne passionnée qui a travaillé très fort avec les enfants, les jeunes, Jacinthe Gauthier, s'il vous plaît. Bien, bonsoir tout le monde. Hey, merci d'être là, c'est super. En fait, je voulais juste vous mettre un peu en contexte par rapport à cette comédie musicale. Peut-être plusieurs le savent parce que vous êtes parents de ces merveilleux ados. Ce que je voulais dire, c'est que le projet a commencé, en fait, c'était un grand projet de Pierre, oui, mais je vous dirais que c'était un projet très ambitieux, d'envergure, je dirais presque casse-gueule. J'irais jusqu'à dire ça presque. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ces jeunes-là ont travaillé vraiment très fort. On a commencé tout ça en janvier passé. Et là, en janvier, c'est une création que vous voyez ce soir, pour ceux qui ne savent pas. Donc, on a commencé en janvier à écrire ce scénario. Le scénario étant écrit, on est passé à écrire les dialogues, les chansons, le choix des chansons, des thèmes. Ensuite de ça, on est allé vers les textes, les chansons. Alors, tout ça a pris quand même plusieurs semaines. Et puis, après ça, une fois que ça a été fait, on avait nos chansons, nos textes entre les mains. On a donné ça à 2 compositeurs qui, eux, ont fait les musiques. Compositeur étant Éric Desranlot, qui est ici ce soir, qui joue, un des musiciens guitariste avec nous. Et aussi l'autre musicien qui est David Boulanger. Ils nous ont fait de bien belles musiques. On est très contents du résultat de tout ça. C'est très chouette. L'autre chose, ben, je peux vous dire que ces jeunes-là, effectivement, ont travaillé vraiment, oui, très fort. Et qui dit comédie musicale, dit vraiment travail d'équipe. Donc, ça a été ensemble un partage, beaucoup d'écoute. Vos jeunes ont vraiment été super là-dessus. Ils ont aussi été... en fait, ce que ça demande aussi, ça leur a demandé une discipline parce qu'on a été quand même assez serrés. Comme on était serrés dans le temps, ben, elle est encore plus serrée avec eux autres. Donc, on les a fouettés un petit peu. Ils ont eu beaucoup de discipline à mettre là-dedans. Beaucoup d'investissements aussi personnels. Bref, vous allez voir le résultat de tout ce beau travail qui s'est passé sur 19 semaines. Je suis très contente de vous présenter ça ce soir. On est fiers. Ils sont fiers. Applaudissez-les très fort. Et place au spectacle avec Reste debout. Merci. Un grand merci à Pierre Barrette ici qui m'a fait confiance, qui me l'a donné toute sa confiance, et aussi à mes acolytes, c'est-à-dire les trois filles, les trois championnes, c'est-à-dire Caroline Dupon, Magali Le Tarte et Marie-Ève Archambault. Voilà. Merci.
Les décorations pour un party de fin d'année, Charles! C'est sûrement pour les profs. Elle est arrivée! On va tout détruire!
Ça va trop loin.